concernant l'éducation à la nature, qui fait partie de tout ce que nous faisons en termes d'éco-contribution, c'est ainsi que tous les ans nous organisons une semaine de l'éducation, une semaine qui dure un peu plus de 10 jours, où nous sommes, je dirais, victimes de succès, parce que grâce au département qui nous a aidés, et avec l'éducation nationale, bien sûr, hein, que je remercie, qui nous a permis d'organiser cette journée aussi et d'avoir les écoles. Nous accueillons 84 classes sur 10 jours et je pense que nous sommes la seule formation en France où nous réunissons tous les acteurs de la ruralité, puisque nous avons les apiculteurs, les agriculteurs, les forestiers, les pêcheurs, les associations de protection de la nature, nature-environnement, nous aurons les randonneurs. Donc nous avons vraiment tous les acteurs du monde rural qui sont présents ensemble, qui montrent que l'on peut faire des choses. Le noisetier qui produit des noisettes. Vous connaissez un autre mammifère plantigrade assez gros qu'elle le miel? Planter l'ours. Ce déplacement, on en a eu l'idée en décembre en préparant le passage en commission du texte. Et en se disant que, voilà, moi, c'est des sujets sur lesquels j'aime bien être allée me rendre compte concrètement de ce qui se passe, de ce que ça veut dire une fédération qui s'engage dans la protection de la nature, comment ça fonctionne en réalité avec les partenaires, comment ça fonctionne avec l'éducation nationale, etc. Donc c'est vraiment, c'est ce que disait le président de la fédération. Quand on est dans la sensibilisation des enfants, ça parle de nature et rien d'autre que de nature. Et c'est très bien comme ça.